Eh bien salut les amis, quatrième épisode de FNAF Security Breach, ruine. Apparemment, je suis au chapitre 3, j'ai pas vu les chapitres passés mais c'était marqué sur l'écran titre. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de commenter, de partager, de vous abonner et on continue notre aventure. J'avais hâte de continuer justement, parce que je trouve vraiment bien ce DLC. Oui, comment? Mais c'est pas Grégory, mais t'es bête ou quoi? En même temps, c'est une gamine, quoi, donc c'est un peu normal. D'ailleurs, par contre, il y a des gens qui ont noté un truc dans les commentaires, et c'est vrai que je l'avais pas dit, mais elle se défend de ouf. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre, quand les animatroniques sont en train de la tuer, et d'ailleurs qu'elle meurt, pas toujours, il y a des jumpscares où elle meurt pas, mais genre, elle met bien sa main dans la gueule des animatroniques et tout, ce qui sert à rien, c'est des robots, donc ils ont bien plus de force qu'elle, mais elle essaye quand même, genre, elle dit pas « Oh non, je suis mort, adieu !» Elle essaye quand même de se défendre, alors que Grégory et la plupart des persos de la série FNAF, de toute façon, genre, à partir du moment où l'animatronique est sur eux, ils sont là en mode « Bon, bah, au revoir, monde cruel, hein. » Elle, genre, elle a des couilles, même si techniquement elle en a pas, enfin, je pense pas, mais en vrai, elle en a. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors... Ok, coucou, je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais bon, je les fais tous, enfin je fais ceux auxquels je pense, mais par contre c'est pas ça que je veux, il n'y aurait pas un trésor? Apparemment non, en tout cas, on n'est pas loin, hein, du truc Roxy Raceway. Ah mais attendez, mais il y a un problème en fait, parce que là je suis un peu dans un cul-de-sac. Ok, je peux pas monter genre dans le crocodile, il m'a l'air d'être un peu haut hein. Non, je pense pas que ce soit par là qu'il faille aller. Attendez, j'essaye, hein, mais... Ouais, non, absolument pas ça. Package, toujours... En fait, c'est les mêmes trucs qu'on a vu avant. Je me souviens pas de celui des toilettes. Mais on les a déjà vus, ces trucs-là. Exactement la même texture. Toolsbox, non plus, ça me dit rien. Mais genre... non, ça me dit pas comment sortir de là. En plus, là, c'est très bizarre. Parce que c'est vraiment une pièce où j'ai l'impression que quand t'es en mode masque... Pas en mode masque... Elle est exactement pareille, il n'y a aucune différence. Et ça, c'est plutôt rare. Je dirais qu'il y a une porte quand même là, non? Ça, ça ressemble à une porte. Ah non, c'est juste... ok, je vois. C'est genre la séparation parce que... Oui, effectivement, genre, il y a une porte là. Non, 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 c'est pas ça qu'on veut. Mais je sais pas quand je vais l'ouvrir. Il y a un escalier. Ah, mais oui! Attends, mais c'était quoi la salle en bas, en fait? Ah, il devait probablement y avoir un secret dedans, mais alors... je l'ai pas trouvé. Bah attends, mais non, mais il y a un secret juste là. Non mais c'est bizarre là. Oh yes! La peluche de mon préféré. Encore le chargement. Merci. Si tu pouvais me faire des pizzas dans la vraie vie, Happy. LP. Oh comment c'est honteux ces histoires de chargement éternel par contre. Genre ils auraient dû mettre une petite cinématique. Genre ils auraient dû charger à un autre moment. Quand on était dans la cinématique de Monty ou un truc comme ça. Je comprends pas trop pourquoi nous... Pourquoi ne pas l'avoir fait. Par contre c'est bizarre là. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de différence là entre le monde virtuel et le monde réel. Ça l'a toujours à peu près pareil. Ok, étrange. Qu'est-ce qu'ils vont nous trouver de plus là? Parce qu'après les Endo. Et après les Endo, ils sont dans le jeu de base. Hein. Je sais pas ce. What? Mais il y a un truc qui a pleuré, non? Ou c'est dans ma tête? Ok. Là, je suis vraiment pas rassuré. Hein. Je m'attends à voir un truc n'importe où. Après c'est un peu straightforward donc je sais pas trop en vrai. Ça je peux, ouais je peux l'utiliser. Alors celui qui est cassé ça pose un problème. Faut que je le répare. J'espère que non. Ok mince, j'ai perdu du temps. Ok non, y a pas besoin de le réparer le dernier fil. Je fais demi-tour hein. Parce qu'on sait jamais. Que j'ai allumé cette machine, mais pourquoi? Oh! Alors j'ai bien fait de mettre le masque à ce moment. Comme... Mais j'ai l'impression d'entendre des bruits. Bonnie Glam, il est stylé, Glam Bonnie. Hein. Vraiment Glam Rock Bonnie, trop stylé. Mais des grandes salles comme ça pour rien avoir. Attendez, vous m'aurez pas. Hein. J'ai mis en route l'ascenseur qui est là-bas et que je vais devoir prendre. Ça se trouve, j'ai vraiment juste... Ah bah non, c'est pas un ascenseur. J'ai mis en route une machine, mais pourquoi faire? Bon, faites-moi monter. Il doit y avoir un autre truc là-haut qui a rapport avec la machine, je ne sais pas. En fait, j'ai démarré un four. Je sais pas. C'est la pizzeria, là?
Je sais pas si c'est la pizzeria de Chica, en fait, je reconnais pas les trucs. Bon, vas-y, alors. Ok, là, ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué, je pense. Ah non, j'aurais dû faire ça pour commencer. Genre le mettre au max. Allez, plus vite. Heureusement que je suis patient, hein. Dit le mec qui n'est pas patient. Là, comment on va faire? Je sais pas. Je pense pas. Mais, attendez, si, on va quand même y arriver parce que là. Ok, ça commence à se compliquer, mais en fait ça va parce que c'est jamais en temps limité. Genre, je veux dire par là, mais on a aussi remis, mais c'est la pizza, hein. Enfin, genre, je veux dire, il y a jamais genre d'animatronique qui vont nous sauter dessus pendant qu'on fait ça. Enfin, jamais. Jamais pour le moment. Attendez, quand on met le masque, on entend quelque chose, hein. Non? J'ai fait crasher le jeu en retirant le masque à ce moment. Ok. Pourtant, le son continue, hein. Mais c'est qui? C'est Chica ou c'est Vanny? Waouh. Eh ben non, ça remarche. Ça devait être Vanny qui se rapproche, je pense. Ok, une dernière machine comme ça. Les choses sérieuses vont commencer. Là, je pense que ça va être catastrophique. Charger tous les conduits au niveau adéquat. Ouais, on sait, on connaît. Ça n'a pas changé. Comment j'aurais dû faire? J'aurais peut-être dû charger le premier d'abord. Bah ouais, au max, en fait. Bon, c'est pas grave. Vas-y. Ah ouais, là c'est un peu plus difficile à gérer. En plus, il est tout petit celui-là. Vite, vite! Yes! Je le fais toujours du premier coup en vrai. Hein? Hein? Non, mais ça me perturbe tes ongles. Ah! Vert. C'est Glamrock Foxy? Freddy? Comment j'arrive à toujours confondre les noms? En fait, je suis pas réveillé. Oula! En tout cas, si c'était lui, il avait l'air en mauvais état. Il va y avoir un jumpscare. Hein. Techniquement, il vient d'en avoir un. Enfin, c'était pas censé être un jumpscare, je pense, mais moi, ça m'a fait la même chose. Il y a personne. Vraiment. On active les machines. Et ça n'attire personne, d'accord? Mais pourquoi j'ai fait ça, en vrai? Je sais même pas trop où je vais. Je dois aller là-dessus? On dirait pas. Ah! C'est un petit escalier, ça. J'ai du mal à dissocier, genre, dans le décor, ce qui est... Mais moi j'irai pas là, hein. Il doit y avoir des fours. Hein. Mais bon, ce qui est du décor et ce qui est vraiment genre la suite. Ok. Il n'y a plus qu'un bruit, mais oh, il y a beaucoup d'imagerie de Chica là. Et c'est quoi? Oh, tous les muffins. Tout cupcake. Cupcake, désolé. Mais genre, cette surreprésentation de Chica, là elle m'inquiète un peu. J'ai l'impression que Vanny est super proche. Hein. Genre, quand je mets le masque, je l'entends super fort. Je fais quoi là? What? Oh! Bon, ça va, lui il est pas dangereux. Enfin, il est pas dangereux, c'est le plus dangereux. Mais pour l'instant, oula, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Aou, aou, aou! Mais non, mais c'est lui le plus fort, le lapin, de toute façon. On dirait que l'entité a contourné mon brouilleur de signal et activé le sien. D'accord, c'est mauvais signe ça ou pas, j'imagine? Cet appareil est un inhibiteur de RA. Vous ne pourrez pas accéder au réseau VAMNI tant qu'il sera actif. Bah, ça, c'est pas grave. Ah, mais il y a un truc là. En vrai, c'est pas grave. Genre, dans l'autre sens, ça aurait été pire. Mais là. Quoi? Non, mais abusez pas quand même. Attendez, comment je dois faire ce truc? En vrai, y a pas 3000 stratégies à adopter. Hein. On met chacun des trucs au max. Puis après, on voit, on va les réaugmenter, etc. Donc là, mince. Ah ouais, parce que c'est mal fumé. Mais attendez, mais l'autre, il a eu le temps de tout redescendre. C'est pas ouf, ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Et là, j'y vais, c'est bon. Bon, c'est de plus en plus compliqué. Le timing est chaud. Ah, je peux plus faire la RA, c'est vrai. Oh! C'est Chica ou Freddy? J'arrive pas... Mais c'est Chica? Oh! Non, c'est pas vrai. Ils ont fait tomber Chica, ils me mettent dans la même pièce qu'elle. J'ai pas la boîte à musique en plus. Ok. Mon petit doigt me dit que t'es très moche, toi. Non, mon petit doigt me dit qu'il y a un Foxy ici. Non, mon petit doigt me dit que, bah, genre, c'est horrible parce que Chica va m'essayer de me buter et probablement y arriver. Qu'est-ce que c'est que ce bruit?
Ça va? Ma belle, calme-toi. Tu sais, on était proches avant. Oh. Oh non, 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 mais attends, mais elle va où? Pleurer dans le coin. Mais écoute, fais ça, ma grande. Oh, elle peut tourner sa tête complètement à 180 degrés. Alors, chica, chica, chica. Me dites pas qu'on arrive dans la pièce. Qu'est-ce que... Elle est partie où? What? C'est Chica ça? Ok. Elle voit pas la... Oh, elle voit pas la lampe torche? Attendez, mais elle va me voir ici, non? Non? Oula, elle me voit pas là. En fait, je pense que je dois utiliser les haut-parleurs pour la tirer. Ok, elle me voit pas. Bon. Ok, bon, là, c'est bien. Je vais attendre qu'elle s'éloigne. Je vais réutiliser les haut-parleurs et après on va bouger, hein. Mais il reste pas là l'éternité quand même. Allez, haut-parleurs. Ok, et donc là, moi, je peux passer, non? Ouais. Je suis au bon endroit là? Là c'est un endroit où elle peut... Je suis mort? Non? What? Je pars par où? Je pars par où moi? Parce que là elle est pas morte, elle s'est juste retrouvée bloquée. En tout cas j'ai fait ce qu'il fallait, je suis allé au bon endroit je pense. Attendez, what? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était le truc que voulait... Je vais devoir repasser par là après. Elle va me sauter dessus, je vais devoir repasser par là. Hein. Bon, en tout cas, c'était le truc que le lapin voulait. Glitch trap. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. T'es contente de toi, là, de pouvoir réutiliser le masque? Déjà, je sais pas où je dois aller. Il y a de la musique à gauche. Bah. Il y a une petite musique un peu enjouée. En tout cas, le cupcake, genre qui est gigantesque, il me fait parfois plus peur que Chica. C'est juste qu'en fait, genre, il est quasiment tout le temps inoffensif. Bah, dans certains jeux, il peut l'appeler. Mais genre, en vrai, c'est jamais lui qui nous tue alors qu'il pourrait totalement. Bien sûr, je rentre dans sa gueule. What, c'est tout? Mais en vrai, le truc de Chica, c'était pas compliqué, hein. Alors, bon. Par contre, trouver les câbles... Enfin, genre, l'issue des câbles, ça va être un petit peu plus relou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, hein. Et ça va être pour ouvrir ça? Ouais, c'est sûr. Bon, il y en a un par là. Je peux remettre le masque, là, on est d'accord, les amis? C'est bon? C'est ça? Vas-y. Ok. Je l'entends chuchoter, là. Je l'entendais pas avant, il y a une mise à jour ou quoi? Masque de Foxy, oh, je veux le porter! Mais non, mais le jeu ne me l'autorisera pas. Bon, par là, il y a deux autres câbles. Je sais pas si Chica peut être un danger ici. Hein. J'ai l'impression que non. Hein. Non, c'est pas ça? Ah ouais? Bon, alors déjà, il y a un cadeau ici. Mais on arrête un moment. Le cadeau, il devrait être juste là. Ça va, c'est juste un petit détour. De toute façon, Chica peut pas venir dans cette salle, j'ai l'impression. Enfin, elle peut pas venir pour l'instant à un moment. Boîte repas de Chica. Mais vraiment, genre, on va repartir avec des centaines d'euros de goodies. C'est trop bien. Même peut-être plus. What? Vanny devait arriver, hein. J'entends quelqu'un bouger. C'est dans ma tête. Bon. Où c'est? Où va le câble? Là, vite, 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 vite.
You're scared. Ok, très bien. Mais c'est pas Vanny qui dit I'm scared. Ce serait pas aussi Grégory, enfin Grégory. Il va où le dernier câble là? Je comprends pas bien. Genre ça, ceux-là on les a activés. Ah là, à la poubelle. Ok. Et bah voilà, on a compromis les trois nœuds. Mais qu'est-ce que c'est que cette machine en vrai? C'est bizarre, hein. On dirait un truc de Marvel ou je sais pas quoi. Vanny, je t'en conjure, éloigne-toi. Parce que là, on a affaire et ça va être sûrement un peu plus compliqué, comme d'hab, de plus en plus compliqué. Okay. J'aurais pas dû faire ça, non? Donc en fait, je pense que c'est ça. Ensuite. Ah, je sais pas, hein. Par là. Et là. What? C'était lui? Il avait ouvert la porte? Il est obligé de prendre la porte pour venir ici? Mais il peut pas se téléporter? Bon, bref, réessayons. Mais là, ça a l'air un peu plus galère. Oh mince. Mince. J'ai aucune idée de comment faire. Bon, ce qui. Ça m'a changé le truc là. Ça, c'est quasiment sûr. Mais attendez. Oh, j'ai compris. Voilà. On retire le masque, on retire le masque, on retire le masque, on retire le masque. Comment c'est le truc qui me stresse le plus depuis longtemps sur FNAF, hein. Ça me rappelle vraiment le truc de Puppet. Genre dans FNAF 2. Mais genre en bas pareil. Donc c'était très très utile ce que je viens de dire. Pourquoi il y a des trucs qui paraissent tout corrompus? Il y a vraiment des bugs dans leur univers AR. Et pourquoi il y a Chica là? On va la revoir. Je pense qu'on n'est pas débarrassé d'elle, hein. Monty, on l'a eu pendant un peu très longtemps. Donc Chica, à mon avis, ils vont nous la ressortir d'une manière ou d'une autre bientôt. Puis Roxy, on va terminer avec Roxy, hein. Quoi? Oh, je peux retirer le truc, d'accord. Hein? Bravo, belle technicité. Vous avez désormais accès à la salle des serveurs de la partie est supérieure. Vous devriez être à l'abri de l'entité ici. Ça m'étonne pas, je fais que de l'entendre là. Bah non, ça m'étonnerait. Ne vous en faites pas pour cette entité hostile, rassurez-vous, en vous disant qu'elle ne peut pas vous poursuivre, du moins pour le moment. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pourquoi c'est éteint ça? Security System, Daycare. Electrical System, Security. Ah, en fait, les. Je peux allumer la lumière? Les Security Systems sont éteints. Mais par contre, les Electrical Systems sont toujours allumés. D'accord? Bah, si les Security Systems sont éteints, c'est plutôt mauvais pour moi, hein. En désactivant les nœuds primaires, vous avez restauré l'alimentation de la partie est du Mega Pizzaplex. J'en suis bien content, par contre je dois aller où? Si vous désactivez tous les nœuds de sécurité primaire, vous devriez pouvoir atteindre votre ami sous le Roxy Raceway. Ça sert à quoi ça? C'est une porte qui n'existe pas encore? Ouais, il est coincé, on sait. Je pense que vous feriez mieux de rester dans le réseau VAMNI pour l'instant. Pourquoi? En fait, je suis où? Genre si je retirais le truc, je verrais quoi? On sait pas, il faut aller à la porte de l'autre côté. Y avait pas ça? Ça vient d'apparaître? Bon, j'ai pas sursauté à cause de ça, j'ai sursauté à cause de la vibration du truc, mais ça vient d'apparaître. Ah ouais? Oh, ah, ça m'énerve! Ouais, le golf. Cupcake. Il me manque quoi comme salle? Dans quelle salle horrible je suis pas encore allé? Oh, c'est secret, c'est effacé. Bon, on sort d'ici. Quoi qu'on a toujours l'air d'être dans un truc genre. On dirait on est dans Tron. Je sais pas si vous avez vu le film. Mais Tron, mais en version violette. Oh, c'est mignon, il y a de la musique ici. Enfin, il y a des trucs qui ressemblent un peu à de la musique. Par contre, vous êtes sûr que c'est vraiment sans danger? Genre, ça va pas me rendre complètement folle? Enfin, oui, parce que je parle pour Cassidy. D'être dans un univers comme ça, là? Genre virtuel? Mais en fait, ils disent que c'est de la réalité augmentée. Mais ça m'a pas l'air d'être de la réalité augmentée. Enfin, à certains moments, oui, c'est de la réalité augmentée quand tu trouves les coffres et tout dans un endroit qu'on connaît déjà. Mais genre, sinon, le reste du temps, ça a l'air d'être littéralement de la réalité virtuelle, quoi, de la VR. Oh! C'est un secret, ça? What? Attendez, mais il devait forcément se passer un truc si tu désactivais toutes les machines, hein. Le fait d'en avoir planqué dans des endroits comme ça. Ah, je pense, mais il y en a plein que j'ai juste ignoré alors que j'aurais trop pu les désactiver. C'est dommage. Oh, cependant, on trouve quand même pas mal de petits trésors. Freddy en or! Golden Freddy! Sauf que c'est pas Golden Freddy. Peluche de Roxy RA. Ce manège à bûches était génial.
Quel est le rapport? Peluche de Monty Glam. Elle est difficile à regarder. Mais pourquoi? Moi, je la regarde très bien là, hein. Les autres trucs écrits ont l'air d'être plutôt normaux. Je sais pas pourquoi. Ok, je sais pas pourquoi ce truc de Foxy écrivait n'importe quoi. Alors, on va devoir retrouver des anomalies ici. Ouais, donc note de musique, guitare, étoile. Note de musique, guitare, étoile. J'ai pas de temps limité, donc c'est très bien. Vas-y, anomalie détectée. Donc note de musique, guitare, étoile. Ah bah si ça me le raffiche à chaque fois, ça va, c'est simple. C'est vraiment un jeu pour les enfants, hein. Guitare, elle est là. Ouais. Ensuite, étoile. Puis éclair. Étoile, c'était là. Ah oui, on la voit pas beaucoup. Et l'éclair, c'est vraiment au tout début. Il va se passer quoi quand je vais avoir fait ça? Je suis en train de faire une bêtise, hein. De toute façon, je fais une bêtise depuis le début. Je vais voir Grégory alors que c'est même pas Grégory. J'ai ouvert la suite. D'accord. Wow. Mais non, mais il est où? Mais n'importe quoi, il était pas là. J'ai bien dit devriez être à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri et je n'avais pas tort. Ah bah là, si, c'est lui. C'est l'effet qu'il me faisait. Hey! Mais... Bon, on va faire le tour. Ah non, mais de toute façon, dans tous les cas, je suis obligé d'être face à lui. Bon, les amis, jumpscare incoming. Non? Ouh, c'est ça le plus flippant, en fait. Non, je ne veux pas te tourner le dos. En plus, il me suit bien du regard, hein. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi, ça? Il n'y a pas de porte, là? Oh, allez les amis. On y va de toute façon, on n'a pas trop le choix. Ah bah il a arrêté de me regarder. Ah! Non, il a pas arrêté de me regarder. Oh non non non. What? Plaît-il? Si ça c'est pas un bug, je suis où là? Attendez, quoi? Oh non. Bon, je dois faire quoi là? Pourquoi Chica elle m'a eu? Genre. Ok. C'était vraiment un bug, un gros bug, non? Donc éclair. Ok. En fait, elle avait continué de bouger dans le monde réel, genre, et elle est venue jusqu'à moi? Alors que j'avais aucun moyen de l'éviter et tout? Donc en fait, faut juste pas que je traîne parce que rien me dit que ça va pas se reproduire. En fait, faut que je trouve un point de sauvegarde le plus vite possible. Après, les points de sauvegarde sont automatiques, mais par contre, je ne vois rien. Ok? C'est bon? Chica, tu n'es pas là, hein? Dans le monde réel. J'espère que non, je ne perds plus de temps, hein? Ah mince, je peux plus courir. De toute façon, ça sert à rien que je regarde derrière moi, c'est même pas prévenu ou quoi. Après, il peut y avoir d'autres menaces que Chica, en vrai, hein? Mais j'ai l'impression que dans le monde virtuel, il n'y a pas grand-chose qui peut nous atteindre, hein? Enfin, il y a... Si. Il y avait les Endo, d'ailleurs, ils m'ont toujours tué de cette façon-là. Mais en vrai, normalement, c'était pas censé, c'était censé être plus facile. Bon, petite sauvegarde là. Oh non, 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 me chargez pas maintenant. Alors, ok, je peux y aller, je peux m'en aller. Bon, il est plus là. Je pense à sauvegarder. Ah, je peux retirer le masque, ok. Le gros chargement a dû sauvegarder quand même, ce serait honteux sinon. Oh, stylé l'artwork. Wow! C'était qui? Comme on sait pas où on est, c'est difficile de savoir qui c'était. Bon, bref, sûrement Chica, hein, ça fait que de parler d'elle encore. Bon les amis, nous, on va rester là pour cette vidéo de FNAF Security Breach Ruin sur Nintendo. Bah non, le DLC n'est pas sorti sur Nintendo Switch. Bref, sur PC, on s'en fout sur quoi c'est, moi j'y joue. Dans tous les cas, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt pour la suite. Salut!